Thierry, tu es originaire d'où? Originaire d'Oran. Oran, pour ceux qui connaissent, Oranville ou bien... Non, je suis de... ouais, Oran Saint-Pierre. Ah, Saint-Pierre, bah, pour ceux qui connaîtront, on leur passe le coucou. Hein. Ah, non, merci. Et en ce qui concerne les sélections de jeunes, quand on est un jeune comme toi qui signe très tôt en centre de formation de Lyon, qui va ensuite à Amiens, qui est aussi un pôle de formation, qui va à l'ASROM, tu n'as pas eu des approches des sélections de jeunes françaises parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment d'origine algérienne qui sont en centre de formation en Europe et qui vont directement dans le pays d'accueil, c'est-à-dire en équipe de la France, qui sont approchés très tôt. Tu n'as pas eu des approches ou... Si, j'ai eu des petites approches, ouais, j'ai des petites approches, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Enfin, voilà, j'ai jamais voulu aller plus loin. Donc voilà, je joue pour l'Algérie, moi. C'est l'Algérie, quoi, c'est, voilà. Et est-ce que t'as eu, est-ce que toi qui connais qui a quoi toi des joueurs, est-ce qu'il y a vraiment la pression de la part des équipes européennes à faire qu'on choisisse la France et tout ça? Est-ce que c'est de la pression réelle ou bien c'est le choix de ces joueurs? Bah ça dépend des clubs. Il y a des clubs, c'est vraiment. Ils vont te mettre une pression. C'est eux qui vont te dire quoi faire. Mais il y a des clubs, voilà quoi, c'est toi qui décide. Hein. Bah on a eu l'exemple récemment, un club, l'OL pour ne pas citer le nom, qui a empêché un joueur algérien d'aller à la CAN des moins de 17 et qui a permis à ce même joueur d'aller à l'Euro des moins de 17. Ouais. Donc, ouais. Et toi donc, tu serais intéressé par une sélection, t'as toujours été intéressé par les Fennecs quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, si je te montre ce maillot-là, ça t'est pas quoi? C'est un vrai, hein. C'est un maillot qui a été porté en match. C'est un maillot de mon pays, hein. Voilà, quoi. T'aimerais bien le porter, ce maillot-là? Ouais. Et ça t'évoque quoi? Ça t'évoque des souvenirs, une envie? Ouais, une envie de porter ce maillot, vraiment une envie. Et toi maintenant, c'est quoi pour toi qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir une sélection pour porter ce maillot? Je sais que t'as 21 ans. T'as même pas 21 ans déjà, t'es encore jeune, c'est-à-dire tu peux jouer pour les espoirs et pour les A. Donc ça passe par un parcours avec Sienne ou avec ton prochain club, ça passe par un rétablissement. Voilà, déjà faut que physiquement je me remette bien, voilà, que je retrouve toutes mes capacités physiques. Et puis après on verra ce qui se passe déjà durant le mercato. Si je l'avais pris encore à Sienne ou si on verra où je vais être, on ne sait pas. En fait, pour résumer, on peut dire que tu es disponible. Toi, tu as montré ta disponibilité. Si tu es titulaire dans ton prochain club et tout ça, pourquoi pas aller A? C'est ce qu'on souhaite, tout le monde souhaite aller au A. Et si tu joues dans un grand club comme là actuellement à Sienne, s'il y a une convocation pour les espoirs, tu serais intéressé ou pas? Bien sûr. Donc pour toi, c'est oui, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je suis un voilà. Espoir ou. Après c'est moi sur le terrain, si je joue bien ça va être si voilà quoi. Et maintenant j'aimerais te poser une question parce que toi là tu vas pas seulement représenter les footballeurs algériens de France, tu vas représenter aussi les immigrés algériens de France, parce qu'en ce moment avec les affaires Bad Fodil qui choisit la France, Bouda Bouz qui va faire l'Euro moins 19 plutôt que une éventuelle sélection, Mehdi Lassin qui hésite. On dit beaucoup que les Algériens de France en arabe on n'a plus Rouh al-Wataniya, c'est-à-dire le bonheur. Et je voudrais que tu me dises, à tous ceux qui vont te voir, que ce drapeau-là, il t'évoque à ceux qui disent que les Algériens de France, on n'a plus le nez. Alors voilà, on a un joueur de Sienne qui joue en Italie, formé à Lyon, à l'ASROM, qui dit qu'il aime son pays. Ce n'est pas une fatalité, c'est une question d'éducation. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, les gars, voilà quoi, faut savoir d'où on vient, faut être fier de ce drapeau. C'est pas parce qu'on est riche qu'on devient riche qu'on devient blanc, comme on dit. Voilà, exactement. C'est parce qu'on va jouer en équipe de France qu'on va avoir forcément une. Voilà. La carrière, c'est Dieu, hein. C'est pas. Mais écoute, ça nous a fait grand plaisir d'entendre ces mots-là. Et ce qu'on peut te souhaiter, Ndoulak, c'est la carrière la plus belle possible qui soit et de représenter un jour, Inch'Allah, ce drapeau qui est. Bon Samy, cette interview touche à sa fin. T'as pas un message pour les supporters algériens? Si, bien sûr. Bah, d'abord, je vais souhaiter que l'Algérie se qualifie pour la CAN et qu'ensuite qu'elle aille en Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, je vais passer
passe un bonjour à tout le peuple algérien, de l'étranger, du bled, voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire aux supporters algériens? Est-ce qu'un jour on va te voir Inch'Allah, hein. Inch'Allah si je travaille bien, si je récupère bien, après c'est sur le terrain. Et puis voilà, ce que je veux c'est... On te verra donc peut-être en espoir ou en A. Voilà, on verra, je vais tout donner pour ça quoi, pour être en équipe d'Algérie. Voilà. Et tu sais qu'être en équipe d'Algérie ça passe par un bon travail dans ton club. Bien sûr. Soit à Sienne, soit où tu seras. Et bah nous, on voudrait te remercier. On te souhaite, nous aussi, Inch'Allah, te voir un jour en sélection. Déjà, tu portes déjà ce maillot-là. Inch'Allah, le prochain maillot que tu porteras, ce sera celui que tu auras joué avec en sélection. Inch'Allah. On te remercie. Bon courage dans ta carrière, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Hein. De rien, normal. Moi, je fais comme moi. Tu sais, nous, c'est notre travail. Quand il y a un bon joueur algérien comme ça, on le cherche, on essaie de le faire connaître. Parce que c'est les médias algériens qui doivent médiatiser les Algériens, c'est pas les étrangers. Moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en tout cas. Pas autant qu'à nous. On te remercie. Au revoir. Ouais. Par contre, je voudrais juste faire une dédicace à tous les Algériens du Canada qui m'écrivent, ceux des USA, aussi les Algériens d'Algérie aussi, on les oublie pas, nord, sud-ouest, est. Et dédicace aussi aux Algériens de l'Angleterre qui m'écrivent aussi. Je reçois tous vos mails et c'est sympa. Et moi aussi j'ai passé une petite dédicace. Vas-y. J'ai passé une dédicace à Bilal, à Foued et je veux remercier aussi Abdel. Et une petite dédicace aussi à Bachir. Il est là, Bachir. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Bachir, le supporter de l'OM, à ce que je vois. Ouais, supporter de l'OM. Ok, bon, on le salue aussi. Merci. Allez, au revoir. Bye.